On parle beaucoup du leadership et de comment créer un mouvement. Regardons alors comment il se crée, du début à la fin, en moins de 3 minutes, et analysons l'enseignement que l'on peut en tirer. Premièrement, un leader doit avoir le courage de se démarquer et d'inspirer. Cela a pour effet qu'il est facile à suivre. Voici d'ailleurs son premier suiveur, qui joue un rôle crucial. Il va montrer à tous les autres comment suivre. À ce moment, le leader doit l'accueillir comme un égal. Il ne s'agit plus désormais seulement du leader, il s'agit d'un groupe. Lorsque le premier suiveur appelle d'autres membres du groupe, c'est en fait une forme sous-estimée de leadership. Il faut du cran pour juste se démarquer de la sorte. Le premier suiveur est celui qui transforme un marginal en un leader. Et voici un deuxième suiveur. Maintenant, ce n'est plus un seul marginal, ce ne sont plus deux marginaux, trois, c'est une foule. Et une foule crée un mouvement. C'est important non seulement de montrer le leader, mais surtout ses suiveurs, parce que ce sont eux qui génèrent le développement de l'action, pas seulement le leader. C'est le point de bascule, nous avons maintenant un mouvement d'adhésion. Plus des personnes se joignent au mouvement, moins c'est risqué. Et du coup, ceux qui n'avaient jusque-là pas pris position n'ont maintenant plus de raison de ne pas le faire. Ils n'ont plus à sortir du lot et donc ils ne courent pas le risque d'être ridiculisés. Ce sont même ceux qui ne le feraient pas qui pourraient éventuellement se sentir ridicules. Quels sont les points à retenir ? Tout d'abord, si vous êtes de ce calibre de personne, de celui de ce type torse nu qui dansait tout seul, rappelez-vous de l'importance d'encourager vos tout premiers suiveurs comme des égaux afin qu'il s'agisse clairement d'un mouvement de plusieurs personnes. Le leadership appartient à un groupe et pas à une personne. C'est le premier suiveur qui, en réalité, permet à ce marginal de se transformer en un leader. Si vous souhaitez réellement créer un mouvement, ayez le courage de suivre et de montrer aux autres comment suivre. Et quand vous trouvez un marginal faisant quelque chose de génial, ayez le courage d'être le premier à vous lever pour le rejoindre.